Bonsoir à tous, bienvenue à Liverpool, bienvenue à Anfield pour le grand retour de la Ligue des Champions, saison 2018-2019. Et ce soir, on commence par un choc entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. Et tout à l'heure, on essaiera, si on a le temps, de faire l'Atlético Monaco, l'Atlético Madrid. Je vous garantis pas que la connexion sera nickel ce soir, mais on verra bien. Premier gros choc de cette Ligue des Champions. Unai Emery n'est plus là, c'est bien Thomas Tuchel qui remplace Unai Emery sur le banc parisien. Neymar évidemment joueur à suivre, qui a quand même été jusqu'en quart de demi-finale au mondial, en quart de finale en Russie, mais ce n'est pas le même sujet ce soir. C'est la Coupe d'Europe, la compétition de Jürgen Klopp, avec très nombreuses arrivées, avec Alisson dans les buts, Sturridge en pointe aux côtés de Salah et de Mané. Et beaucoup de nouveaux joueurs, mais tous les nouvelles arrivées du côté de Liverpool se font majoritairement sur le banc. Et donc quelques secondes de coup d'envoi du match, ce n'est plus Unai Emery, je l'ai déjà dit. Forcément FIFA 19 n'est pas sorti, donc ça ne peut pas être actualisé là maintenant la composition. De Thomas Tuchel avec évidemment Alphonse Areola dans les cages. Cavani en pointe aux côtés de Neymar et Mbappé. Le jour que je me demandais bien là. Il y a déjà du beau monde sur le terrain. Alors que le match n'a même pas encore commencé. Ça ne devrait pas tarder. On se concerte. Sadio Mané évidemment qui risque d'être un véritable danger ce soir. Pour les Parisiens, pour la défense parisienne. Ce sera un Espagnol l'arbitre de ce soir. Et ce sont les Parisiens avec Edinson Cavani qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre. Coup d'envoi de ce Liverpool Paris et coup d'envoi de cette Coupe du Monde, de cette Ligue des Champions 2018-2019. Est-ce que Paris va réussir enfin à dépasser le seuil des huitièmes de finale? C'est ce que nous verrons dans cette Ligue des Champions cette année. Lovren, Sturridge, Wijnaldum, l'interception avec Cavani, Mbappé, Cavani, Di Maria, Neymar. Marquinhos, l'interception avec Sturridge qui peut lancer le contre. Wijnaldum. Gomez. Henderson. Wijnaldum. Henderson. Wijnaldum. Milner. Sturridge. Milner encore pour Mané. Sturridge, la frappe de Sturridge. La parade d'Areola qui nous a fait un match exceptionnel face à l'Allemagne. Lors du premier match de la Ligue des Nations, il a l'air d'être encore sur sa bonne voie, Alphonse Areola, dans ce début de saison. Mbappé. Oui, le bon dédoublement pour Mbappé qui s'est débarrassé de Wijnaldum qui peut aller centrer. Mbappé toujours. Di Maria, non, c'est dégagé. Milner. Mané. Milner, Mané. Wijnaldum. Henderson. Milner, Sturridge, Salah qui est parfaitement lancé, la frappe de Salah directement dans les bras d'Alphonse Areola, sans aucun problème pour le nouveau gardien de l'équipe de France. Rabiot, Cavani, Di Maria, Neymar, Di Maria, Marquinhos, Rabiot, Cavani qui ne peut pas frapper, il faut qu'il temporise. Edinson Cavani, il est coincé face à Gomez. Meunier, et c'est bien contré par Salah, me semble-t-il. Alexander Arnold, Gomez, Lovren, Wijnaldum, Robertson, Milner, Sturridge. Wijnaldum, Sturridge, Mané. Et le ballon sera finalement pour ici Marquinhos, c'est chanceux, il garde le ballon.
Bernat, nouvel arrivant du Bayern, Cavani, Neymar. Cavani parfaitement lancé, Cavani pour Neymar. Neymar en bonne position, qui ne frappe pas bizarrement. Et c'est voilà, dégagé trop facilement par la défense de Liverpool, ce sera une touche. Extrêmement bien placée pour les Parisiens. On a franchi la ligne médiane. Bernat. Di Maria. Cavani parfaitement lancé. Le bon retour de la brède. Attention, c'est pas fini. Marquinhos qui récupère le ballon pour Cavani. La parade d'Alisson. Première parade décisive du nouveau gardien de Liverpool. L'ancien gardien de la Roma est déjà décisif. C'est leur première frappe du match de Cavani. Justement, le renvoi à Cavani. Meunier. Rabiot. Meunier. Marquinhos. Mbappé. Mbappé qui temporise. Il n'y a personne pour l'aider. L'interception d'Alexander Arnold. Salah. Qui peut lancer le contre. Lui qui a été bien malheureux avec l'Egypte. En Russie. Et là, il va tout faire pour oublier cet épisode assez catastrophique de cette Coupe du Monde. Milner. Alexander Arnold. Attention, Sturridge. Sturridge qui est bien lancé. Salah. Le bon retour de Meunier qui ne dégage pas. Mais les chanceux qui se fait avoir comme ça. Mohamed Salah. Wijnaldum. Wijnaldum toujours qui cherche les solutions. Ce sera pour Milner. Henderson. La frappe au Mané. La parade d'Areola encore. Quelle parade d'Areola. Un bout portant juste devant. Sadio Mané, c'est pas fini, ça revient. C'est contré et la touche en parisienne. Ils se sont gênés. Les joueurs de Liverpool, c'est Meunier qui va peut-être être sanctionné d'un carton jaune. Alors là, il va falloir m'expliquer parce qu'on a absolument rien vu. On voit le ralenti. Oui, il est en retard. Sur Alexander Arnold, il n'a pas grand-chose à redire. Bien vu par l'arbitre. Marquinhos. Di Maria, Cavani, Rabiot, Cavani qui peut aller frapper, la frappe de Cavani qui passe au-dessus, c'est dans les 10 dernières minutes que le match se réveille, que l'intensité arrive dans cette rencontre, mais toujours pas de but à l'horizon pour les deux équipes pour l'instant, on a un beau duel de gardiens entre Areola et Alisson, pour l'instant les deux gardiens ont fait des arrêts décisifs. Ce qui laisse encore du suspense dans cette Ligue des Champions. Sturridge. Milner. Milner toujours avec Alexander Arnold. Salah. Ça ne passe pas. C'est bien défendu par Thiago Silva pour Rabiot. Areola. Silva. Rabiot. Di Maria. La belle passe lobée pour Meunier. Rabiot. Di Maria. Mbappé qui n'a pas pu faire grand chose, mais le ballon déjà récupéré par Meunier. Non, c'était Rabiot. Mbappé pour Cavani. Et la suivante, encore Cavani qui est bousculé par Gomez, mais le jeu continue. Lovren. Le ballon loin devant pour chercher Mané, c'est repoussé. Di Maria. Marquinhos. Di Maria. Cavani, ça ne passe pas, c'est bien défendu. Il y aura 2 minutes traditionnelles dans cette première période et toujours 0-0 entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. Mais à mon avis, la seconde période risque d'être encore plus intense que celle-là. Attention, Wijnaldum a gardé le ballon malgré le tacle. Wijnaldum. Sturridge qui n'a pas pu frapper Milner. Une heure gênée par Marquinhos, et c'est Marquinhos qui aura le dernier mot, et de toute façon c'est l'habitant ici à Anfield, et 0-0 entre Liverpool et le PSG. Pour l'instant un très bon match, pas de but certes, Neymar était totalement invisible, mais les gardiens ont fait des arrêts décisifs des deux côtés. Allez, on part tout de suite, on n'a pas le temps, sauf pour l'Atlético Madrid et Monaco, il va falloir qu'on se dépêche. Alors, on va voir s'il y a eu des changements à la pause. Je pense pas, honnêtement. Non, pas de changement à la pause. On reprend les mêmes 22 acteurs pour essayer de débloquer la situation dans cette rencontre. L'interception de Cavani.
Il y a beaucoup à jouer pour les Parisiens maintenant. Marquinhos, Cavani. Encore pour Marquinhos, Di Maria. Di Maria gêné. Et ça ne passe pas, c'est bien défendu. Salah qui se débarrasse de toute la défense parisienne. Ils sont que deux dans la surface parisienne. Il y a du monde. Le mauvais contrôle d'Alexander Arnold et l'interception de Rabiot pour Mbappé. Cavani parfaitement lancé, il est tout seul. Cavani peut y aller tout seul, il n'y a personne pour le gêner. Cavani qui s'est fait contrer dans les moments par Gomez. Alisson qui a pu s'emparer du ballon. Il était un peu trop confiant sur ce coup-là, Edinson Cavani. Puisqu'il a eu l'opportunité de pouvoir marquer. Il a mal joué son coup. Rabiot. Meunier. Mbappé. Marquinhos. Rabiot. Pour Di Maria qui a failli frapper. C'est bien défendu par Henderson qui a réussi à reprendre le ballon au dernier moment. Salah toujours. Bien défendu par Kimpembe. Le champion du monde lui aussi. Areola également. Meunier. Silva. Kimpembe. Marquinhos. Di Maria, Cavani. Rabiot. Mbappé, Rabiot. Ça ne passe pas. C'est encore toujours très bien défendu de la part de Liverpool. Sturridge. Wijnaldum. Sturridge. Henderson. Mané qui se dégage derrière. La bonne interception de Bernat. L'ancien défenseur du Bayern de Munich. Il est précieux. Le ballon là devant pour Neymar. Il n'est pas servi. C'est encore intercepté par la défense de Liverpool. Wijnaldum. Sturridge qui aurait pu centrer le superbe retour de Presnel Kimpembe. Non, je pense que c'était Rabiot sur ce coup-là encore. Et la sortie de James Milner à l'entrée de Fabinho, l'ancien monégasque. Et la sortie d'Adrien Rabiot. Et l'entrée de Christopher Nkunku. Les deux premiers changements du match sont effectués en même temps par les deux équipes. Silva. Nkunku. Di Maria. Bernat. Neymar. Nkunku. Cavani. Et l'interception d'Alexander Arnold. Et l'interception de Meunier maintenant. Nkunku. Di Maria. Mbappé. Cavani. Non. Ballon perdu. Henderson, Wijnaldum, Mané, Sturridge, Henderson, Sturridge, interception, Bernat, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Nkunku, Meunier, Di Maria, Cavani, encore une fois le retour, Wijnaldum, Lovren, Fabinho, Gomez, Fabinho, gêné par Marquinhos, mais il a toujours le ballon. Wijnaldum, Henderson, Sturridge, il a toujours le ballon. Oh, le poteau qui sauve le Paris Saint-Germain, l'ouverture du score de Daniel Sturridge. Ça les faillit de peu pour que Sturridge ouvre le score dans les 15 dernières minutes. Et heureusement pour Paris, c'est le poteau qui va leur sauver la vie. Mais c'est pas fini, c'est toujours Liverpool qui a le ballon. Mané. Bon retour de Silva, mais c'est pas fini avec Fabinho. Bousculé, le jeu continue, il n'y a pas faute. Di Maria pour lancer le contre. Mbappé. Superbe tacle de Fabinho, il n'y a pas faute non plus. Salah face à Meunier, ça ne passe pas. Bien défendu par le Belge. Marquinhos. Meunier. Kimpembe. Meunier, contré. Et ce serait une touche pour le PSG. Il y a un nouveau changement à venir. La sortie de Kylian Mbappé et l'entrée de Julian Draxler. Ben ça, c'est une surprise. De faire sortir, non pas si tôt, parce que quand même presque la 80e minute. Mbappé, qu'on n'a pas beaucoup vu ce soir, quand même. Mais au moins, il était bien présent pour son rendez-vous. Marquinhos. Di Maria. Nkunku, Cavani.
Draxler qui peut faire la différence. On le connaît, Draxler, le centre peut-être. C'est fait le centre à terre, bien défendu encore par Alexander Arnold. Il est très précieux ce soir. La sortie d'Andrew Robertson et l'entrée de Joel Matip. Deux changements effectués par Torel et par Klopp. Deux entraîneurs allemands, ce qui est quand même assez rare pour être souligné pour les deux équipes. Et le corner de Neymar, c'est repoussé. Ça revient avec Kimpembe. Bernat. Di Maria. Bernat. Le centre. C'est repoussé. Ça revient avec Di Maria. Neymar. Di Maria. L'énorme faute. Ça continue avec Gunko pour Di Maria. Pour Cavani. C'est pas fini. Dépossédé du ballon au dernier moment. Alexander Arnold, toujours lui, qui réussit à dégager tant bien que mal. Ça revient sur Di Maria, ce dégagement. Le bon dribble de Di Maria peut y aller tout seul. Draxler. Draxler. Attention à Gonco. Ça n'a pas vu le tour dessus pour Christophe et Gonco. Et la sortie de Neymar et l'entrée de Lucas. Oui, même si Lucas, ça fait bien longtemps qu'il est parti du PSG. Mais c'est quand même le dernier changement pour le Paris Saint-Germain. Mais quelle occasion pour Christophe et Gonco. On sent que l'une des deux équipes va craquer. Mais on ne sait pas encore laquelle. Parce que c'est quand même Liverpool qui s'est créé la meilleure occasion du match pour l'instant, même si Paris a quand même évidemment du répondant. Henderson, Alexander Arnold, Sturridge, Alexander Arnold, Mané. Mané toujours, qui cherche à se débarrasser de Bernat. Il y aura seulement 2 minutes de traditionnel dans ces fins de match. C'est toujours 0-0 entre Liverpool et Paris Saint-Germain. C'est peut-être pas fini, Sturridge. Fabinho. Fabinho, l'interception de Kunku, il y a beaucoup à jouer. Et c'est fini. Match nul entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. 0-0. Pas de vainqueur, mais on aura vu un très bon match. Une fin de match endiablée. Il n'y a pas d'autre mot. Et malheureusement, les deux équipes vont se séparer sur un score nul et vierge. Malgré un excellent match. Donc on s'arrête là. Donc il n'y a pas de prolongation pour les phases de poule. Donc voilà, ça va être là et je vous donne rendez-vous tout de suite pour Monaco-Atlético Madrid. A tout de suite.